Et nous prenons le temps d'entendre directeur protection civile, Jerry Chandler, qui a un bilan partiel, passage goudou-goudou dans le Grand Sud pays, pour nous dire quitter ces pays, mais surtout au Grand Sud qui est même touché en pile, dans la palais de département sud pays et d'Haïti. Direction protection civile, DPC, qui présentait mercredi à la bilan partiel, tremblement de terre 14 d'août 2021, en total 1141 monde mouri, 1597 dans le département sud, 205 dans Grand-Anse, 137 dans Nip et puis 2 dans Nord-Ouest, 9900 monde blessés, 75000 cailles endommagés à cas détruits, 135000 familles sinistrées, qui baille en total 684000 monde qui vulnérables, qui besoin d'assistance humanitaire. D'après responsable DPC Adjiri Sodler qui précisait gagner 25 estrictis sanitaires qui affectaient la catastrophe ça. Parallèlement, Adjiri Sodler a fait qu'on ait gagné un monde qui mourit pendant le passage à tempête Grace, à l'aide DPC été lancé par rapport en tempête ça, l'élevé depuis mardi, d'après Jerry Chandler. N'a pas pu nous coûter tout à l'heure dans le journal concernant bilan si là. N'a venu avec le premier ministre payant, qui c'est Dr. Ariel Henry, côté le renouvelé engagement gouvernement là pour répondre à l'agence, pour répondre avec urgence pour nous dire bien. Urgence population victime non. Chef gouvernement qui t'a adressé la nation hier soir mercredi a annoncé création d'un groupe travail cap gen la dans société civile en cas secteur privé pour aider gérer donyo. Ariel Henry mandé toute institution haïtienne ou bien étrangère de consulter lis a besoin yo nan koun nan pendant la rappeler de l'eau manger soins médical à kakay c'est quelque part mes priorités moment en côté chef gouvernement Ariel Henry maintenant dans non gouvernement moyen rappeler peuple là que nous camper beaucoup de yon. C'est responsabilité nous et nous ne pas faire bac sur ça. Reconstruire la vie des habitants des NIP, du Sud et de la Grand-Anse, après une si terrible catastrophe naturelle, reste et demeure l'objectif qui guidera toujours nos actions. Et des efforts de reconstruction n'auront de résultat que s'ils s'inscrivent sur une base de solidarité pour mettre Haïti au centre de nos intérêts premiers. Nous devons mettre tête nous ensemble pour nous agir, pour nous rebâtir pays noir, Haïti. Catastrophe naturelle, c'est un moment particulièrement idéal pour nous faire solidarité. Mettez sous ça, support moral nous important à tout le monde qui finit fait une expérience comme ça. Vivre un tremblement de terre dans la dimension ça. C'est une opportunité unique pour nous prendre un nouveau chemin. Ce n'est plus le moment de laisser transparaître nos divergences. Engageons-nous dans des discussions constructives pour qu'ensemble, nous voulions au secours de nos prochains. Haïti d'abord. En pile équipe qui est là-dedans, CNE, FAES, OFATMA, PNH, FADH, TPTC, déjà à travail dû et déjà sous terrain. Et j'ai une situation grave là, nous engageons tout dans action immédiate, tout de suite, et puis ciblée. Moi déjà passé instruction pour assurer sécurité dans la sortie sud de Port-au-Prince, depuis Matissan, arrivé juste dans la zone qui touchait. Pour une meilleure coordination de l'aide, nous avons décidé de centraliser tous les dons qui nous sont offerts à la direction de la protection civile. Un groupe de travail ad hoc, incluant la société civile et le secteur privé, va être constitué dès aujourd'hui pour administrer avec la plus grande transparence et avec une extrême rigueur tous les dons en espèces et en nature, matériels et équipements mis à la disposition des victimes. À tous ceux et à toutes celles qui souhaitent aider, nous disons qu'un premier document présentant une estimation des besoins prioritaires est disponible et peut être consulté au CUN pour savoir ce dont nous avons le plus besoin. Il ne s'agit pas pour nous de tout concentrer entre nous-mêmes, mais uniquement de coordonner les interventions des uns et des autres pour une meilleure distribution de l'aide. Ça qui est urgent pour nous,
c'est bail victime yo yon côté provisoire pour dormir, de l'eau, manger avec soins médicaux. Voilà, zanm auditeur, t'ap kote intervention Premier ministre Ariel Henry qui renouvelle l'engagement gouvernement là pour répondre à urgence population qui est victime Nègre Sud après établissement de 14 d'août. On a toujours été ensemble avec locataire primature là. Premier ministre reconnaît situation grave Nègre Sud là. C'est pour ça qu'il a fait diligence pour premier secours arrivé Bonnet. Ariel Henry lance appel à acteurs politiques, société civile pour former une chaîne solidarité pour répondre à besoin compatriotes sa yo. Le chef gouvernement a profité de remercier la communauté internationale là, qui a fait un gros bourrade dans la catastrophe. Ça, en côté, l'autre fois, Premier ministre Ariel Henry. C'est le pays tout entier, physiquement ou mentalement, qui est dévasté. Nos cœurs se déchirent. Certains de nos compatriotes se trouveraient encore sous les décombres. Des équipes de sauveteurs haïtiens et étrangers sont encore à pied d'œuvre. Plusieurs autres compatriotes affrontent les intempéries, ne pouvant nourrir leurs enfants, se créant des abris de fortune ou dormant carrément à la belle étoile. Les bâtiments et les infrastructures ont gravement souffert. Des hôtels, des hôpitaux, des églises, des écoles, des péristyles, des résidences, des édifices publics, et j'en passe, ont subi des dégâts importants ou sont détruits. Moi, je vais faire la population qu'on est, pour mes secours déjà arrivé. C'est déjà avec toute série de problèmes, ça y est, nous devons adresser nous immédiatement. En même temps, l'équipe gouvernement qui souterrain a déjà commencé à déblayer la route pour faciliter la circulation et le transport aide-là et le personnel. Tous nos engagements doivent être au cœur de nos relations sociales, au cœur du vivre ensemble. On pourrait donc se demander si la notion de personne humaine n'est pas au cœur de tout agir solidaire. Car il n'y a pas de solidarité si ce n'est de rendre l'autre et soi-même plus humain. S'il est vrai que les dégâts matériels et les pertes en vie humaine sont considérables, et même s'il est aussi vrai que les conséquences du séisme sur la société haïtienne sont multiples et diverses, il faut aussi souligner leur courage. Nos compatriotes du Grand Sud ont fait preuve de dignité et de résilience. En se donnant comme objectif la reconstruction rapide de leur ville et de leur maison, si je me réfère aux déclarations que plusieurs m'ont faites quand j'ai été sur le terrain. Ils ont manifesté le désir de reprendre en main, sans condition, leur destinée et leur avenir, tout en étant avec la même rigueur et la même détermination pour leur survie. Moi, lancé un appel solennel. Ben, seum à frémio, dans la classe politique là, dans la société civile là, dans le secteur universitaire, dans le secteur privé, dans la diaspora, pour nous former une chaîne solidarité. Pour ensemble, nous bâillons une réponse appropriée à besoin urgent compatriotes nous. Qui n'en détresse dans la zone sud, ni à grand-lance pays. Je ne saurais terminer sans adresser les remerciements de toute la nation aux pays amis qui ont exprimé leur sympathie et qui ont déjà commencé à nous envoyer leur aide d'urgence. 5h55. Jean Dédilan, direction protection civile DPC qui présentait hier mercredi à la bilan partiel tremblement de terre 14 d'août 2021. En total, c'est 1041 moun qui mourit. Alors, bilan partiel, nous dit bien. 1697 dans le département sud, 205 dans Gredos, 137 dans Nip et puis 2 dans Nord-Ouest. 9900 moun blessés, 75000 cailles endommagées avec détruits, 135000 familles sinistrées qui baillent en total. 684 000 moun qui vulnérables, qui besoin d'assistance humanitaire, d'après responsable protection civile, qui c'est Jerry Chandler, qui précisait gagner 25 estrictis sanitaires qui affectaient la catastrophe. Ça. Parallèlement, Jerry Chandler fait qu'on ait gagné un monde qui mourit pendant le passage de tempête Grassland sur Haïti. Côté alerte, DPC était lancé par rapport à la tempête, ça, l'élevé depuis mardi passé, d'après Jerry Chandler, qui était dans le micro-collaborateur, nous, José Bellamour.
En termes de chiffres, bilan humain, nous gagnons à aujourd'hui 1941 décès qui répartit comme suit: 1597 dans le département sud, 205 dans le département Gredens, 137 dans le département Nip et 2 dans le département nord-ouest. Nous gagnons là environ 9900 blessés qui enregistrés en 3 départements qui principalement frappés. Bilan est partiel parce que nous continuons à chercher et nous continuons à travailler pour nous connaître exactement ce qui s'est passé. Nous sommes capables de parler de à peu près 75 000 cailles qui endommagé et ou qui détruit dans tous les trois départements. Nous avons des bâtiments publics tout qui affectés et nous capables de parler de pratiquement 135 000 familles qui sinistrées. Ce qui fait que au total, pour tout département, 184 000 personnes en gros qui besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Nous avons 25 structures sanitaires qui affectées sur trois départements. Mais nous capables de dire que quand même, malgré ça, blessés graves, nous réussissons à faire acheminer vers les centres hospitaliers médicaux appropriés, blessés légers et qui modérés, nous réussissons à prendre sous place grâce à support que niveau central MSPP a bail en termes de renfort de personnel et renfort en intrant matériel médical et matériel pour faire premier soin. Et un problème qui est vraiment criant, c'est problème de l'eau potable, particulièrement dans la commune Pistel, côté que gagne en pile citerne, en pile capacité de réserve d'eau qui détruit. Donc gagne un accent particulier qui a mis sur ça dans le secteur qui est occupé de ça. Pendant qu'on a parlé à la levée de l'alerte qui fait par rapport à la tempête tropicale grasse, l'y fait depuis hier, avec passage avec tropical grâce à noter ouais, il y a des inondations qui fait à la suite de ça il y a des coups éclairs, donc des rivières qui gonflaient rapidement, qui causaient des inondations dans la ville Cajacmel, dans la ville Marigot et dans la ville Bénin. Malheureusement, nous dénombrons un mort qui rejoint dans la zone en bambou, un monde que l'eau était emporté et rejoint le cadavre hier, malheureusement, suite à justement passage tempête tropical grâce. Responsable protection civile a déjà commencé à poser diverses actions pour aider victimes de tremblement de terre. Gen moun yo retiré bas des comme notre travail recherche et sauvetage qui a continué. MSP évacué un pile blessé dans l'hôpital Port-au-Prince, Mibalak Fondé Blanc, Croix Rouge Haïtienne a collecté 166 pochettes d'après Jerry Chandler qui lance un appel pour citoyens qui ont été protégés dans Baïsan pour sauver la vie victime yo. Il fait qu'on ait plusieurs convois déjà commencé à déployer depuis dimanche dans le département affecté pour apporter victimes au secours. Pendant des populations dans trois départements, ça aurait été patient. Gouvernement privé sous yo. Jerry Chandler, toujours dans le micro Josué Belamour. Il y a 34 personnes qui ont réussi à faire sortir en bas des coms dans le travail de recherche et de sauvetage qui a fait. Et ceci, le travail ça a fait pratiquement pendant deux derniers jours. Donc, l'équipe sauvetage a travaillé ensemble, que ce soit l'équipe étrangère et l'équipe haïtienne. Recherche, je pense qu'il y a continué encore aujourd'hui. L'équipe, justement, est divisée en plusieurs. Il y a allé dans certaines sections communales parce que effectivement il y a des petits problèmes logistiques qui ne permettent pas de déplacer. Il y a une tempête tropicale qui fait qu'ils sont obligés de camper sur le travail là, mais là ils ont commencé, ils ont bougé, ils ont déplacé et ils ont allé dans une zone où il y a des côtés qui ont des difficultés d'accès toujours, au dégât route à cause de l'éboulement, ils ne sont pas accessibles, mais ils ont allé pour être capable justement de fournir assistance et continuer à rechercher sauvetage là. Et cette santé publique fait un peu l'évacuation jusqu'à hier encore. Les gens qui ont été rejoints en bas des communes, ils ont été évacués vers Port-au-Prince, vers Mibale, vers l'hôpital Fondé Blanc avec hélicoptère pour nous capables de rapide. Et il y a un point d'agadi positif encore qui fait, c'est que justement, il y a un appel à collecte de sang que la Croix-Rouge haïtienne a fait. Et le Centre national de transfusion sanguine, qui est dirigé par MSPP en collaboration avec la Croix-Rouge, réussit à collecter 82 pochettes de sang le 14 août, 84 pochettes de sang le 15 août. On a demandé tout le monde de continuer dans l'effort, continuer pour décoller, pour bailler sang, pour que justement nous capables de gagner capacité, pour nous capables d'aider et supporter les gens qui sont en difficulté dans ce moment-là, surtout dans les zones qui sont affectées. Nous connaissons que dans le côté, il y a plein de plaintes, les gens ont dit que les choses ne sont pas arrivées sur eux, ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont des problèmes. Nous connaissons ça, nous sommes conscients, nous recevons tous les messages et nous avons travaillé, j'en dis, d'arrache-pied pour que la police civile soit capable de bailler support le plus vite que possible. Ce qui fait que depuis dimanche, il y a un des premiers convois qui est allé. Une première institution qui est arrivée sous terrain, qui a fait distribution avec appui police civile, c'est FAES. FAES rivé au Kai, Fayez était allé dans NIP tout. Il y a encore Fayez rivé dans NIP, Fayez rivé dans commencer à aller dans la section communale, dans zone en dehors en Savo, pour être capable de nous appuyer. Hier, nous faisons des convois qui sont un petit peu plus imposants avec plus de machines. Matin, encore, il y a un convoi pratiquement de 8 machines Zimbatopem qui quittent protection civile et qui allaient là vers le Grand Sud. Et 8 machines, ça y a là d'ailleurs qui peut aller vers NIP, il y a là d'ailleurs qui peut aller vers le Sud et qui peut aller pour Grandens, en façon pour nous capables de dispatcher ça que nous recevons et pour nous capables de distribuer.
yo ba moun ki nan bezwen. En plus de distribution yo, c'est le fait que nous pral accélérer cadence distribution. Là par exemple jodi an, nous gen deux lots et deux groupes qui gen tan dérapé. Nous organiser nous avec l'autre partenaire qui travaille avec nous notre cause de distribution pour nous capable gen au moins trois groupes qui participent à jour. Nous espérer à la huitaine nous prend contrôle du problème là et que tout le monde au moins joigne au minimum de ça que yo gen besoin pour joindre en façon pour nous capable faire travail là puis bien. Et train que nous gen pour nous capable faire CD pour la plupart des trains que nous joignent avec appui et support et collaboration en pile dans pays ami qui rapidement t'est venu au chevet de Haïti et t'es demandé nous qui ça nous besoin nous t'es soumettre en liste et yo essayer faire ça capable pour satisfaire li ça capable citer nommément la République dominicaine qui grâce à proximité en premier t'es qui t'a fait geste là pour nous venir avec des hélicoptères pour porter médicaments en urgence nous capable citer certainement les États-Unis d'Amérique à côté nous là qui viennent non seulement avec matériel mais qui viennent tout avec équipe sauvetage et secours pour renforcer équipe panou hein. Nous avons cité la République du Venezuela, nous avons cité la Colombie, nous avons cité le Mexique, le Japon, qui ont tout organisé pour faire venir ponctuellement et matériellement des biens. Nous ne pouvons pas oublier tout, la République Chine Taïwan, qui lui-même tout a appuyé nous tout. Donc, je nous dirais qu'il y a vraiment un gros appui et nous continuons à recevoir des offres de support. Nous avons dit nous, qui ça nous besoin, nous avons pour nous, nous avons donc là, nous avons ça, nous avons fait là, nous avons trié, nous avons pour nous canaliser. Et pendant que nous avons canalisé là, nous avons organisé nous pour nous faire logistique la suivre pour nous mener à aller côté qui vulnérable pour nous capable. Donc m'a demandé tout le monde restez patient. 6 heures. N'a toujours été dans même dossier ça c'était déclaration directeur protection civile là Jerry et Chandler. N'a dit là hier qui était mercredi pendant journée en terre, il était tremblé encore jeudi a mais c'est réplique ça qui passe semaine temps en temps dans presque tout pays là et surtout dans niveau grand sud pays là mais dans niveau l'Asie il était acté tremblé pour nous dire bien côté ça la cause un bâtiment était effondré hier mercredi à suite avec persistance réplique dans département Nipan pays là population qui encore demande aide avec autorité concernée selon ça nous apprend côté encore mon asile mon ni payant encore demander et support demander aide bon côté autorité concernée même j'ai avec divers autres départements à quelques communes qui touchés dans grand sud du pays nous gagné là gain Québec dit qu'il disposait une enveloppe 1.5 million de dollars pour capable porter support by victime 6 en Haïti qui c'est 14 août 2021 une aide en urgence pour capable répondre à qui a besoin prioritaire dans question de l'eau médicaments matériels médical c'est ça eh bien dont ça lui-même ni pral décaissé pour capable porter support précisément avec moun si la yo nan qui besoin ça besoin de l'eau besoin médicaments et matériel médical gagné UNICEF qui lui-même tout qui décide la porter support avec surtout si moun yon connaît qui c'est parmi catégorie moun qui très touché par le passage et goudou goudou samedi qui était 14 d'août passé à côté grand sud là c'est un côté qui très frappé dans question ça mais fonds nations unies pour l'enfance pour nous parler bien des UNICEF estimé gagne un demi million de moun pour nous parler de 5 500 000 si moun qui censé mais frappé bien affecté par tremblement de terre samedi 14 d'août 2021 n'est côté plusieurs départements dans grand sud pays yo touché sévèrement, touché très dur. Dans communiqué de presse que a publié mercredi qui était 18 août 2021, UNICEF a affirmé que le cadre travaille auprès avec le gouvernement haïtien et puis différents leurs partenaires pour yo garder rapidement comment capable porter réponse avec bien accompagner bien porter aide by Timounio qui est victime côté estimé que bien somme yo capable pas mettre disponible pour travailler avec l'État haïtien et puis différents partenaires yo l'estimé au montant de 15 millions de dollars et qui pral répondre avec un ensemble de besoins urgents pour Timounio surtout et un ensemble de monde qui évalué à 385 moun et puis 167 000 Timoun qui gagne moins passé 5 ans qui est plus petit que 5 ans son période pendant 6 semaines il va regarder comment pral accompagner mais catégorie moun si là yo UNICEF qui est même toujours mettez bon côté autorité concernée yo surtout Timounio mais il fait qu'on est là Timounio catégorie groupe moun ça c'est moun qui pi touché pendant passage tremblement de terre samedi 14 d'août là mais face avec situation ça yo entend porter support yo mais agence onusienne là qui estimait que près de 1,2 million monde qui touché par goudou goudou ça parmi yo 540 000 simoun qui touché par séisme là séisme dévastateur ça qui frappé Haïti samedi qui était 14 août dernier là en pile famille haïtienne touchée mais yo perdu soit un proche yo ou bien trouvé dans situation
est très difficile. Bien désormais là, bien yo même là UNICEF a déjà à travail commencé mettez à pied de vlan pour capable porter support by sinistré ou by victime yo et encore mettez sous moun qui yo même tout frappé par passage bien tempête tropicale Grace qui frappé surtout sud-est pays, c'est ça. Bruno Maes qui se représente UNICEF en Haïti lui-même lui fait qu'on est côté le trouver nous m'en a parlé en là dans commune au Caï dans département sud pays jeudi à l'après 500 000 ti moun en Haïti yo même qui pas gain accès vraiment avec San Rilé on côté pour yo dormi après passage ça à passage très loin des terres qui c'est quoi grand pays yo pas vraiment gain accès avec la question de l'eau potable et pour t'a dit même bon, yon bon soin santé et puis manger pour t'a capable répondre avec ti besoin yo gain et expliquer que violence criminelle et insécurité a qui compliqué aide humanitaire yo sous route principale qui est les Port-au-Prince à capitale là ben dans sud grand sud l'entour mais contrôlé par gang armé à pas de situation qui gagne sur Matisse, on comprend, mais comme monsieur dit, on a déjà fait proposer en bas là, eh bien, l'agence conusienne, il déplorait ça et il demandait avec autorité concernée, pourquoi pas prendre toute disposition vraiment pour permettre que, eh bien, tout convoi, soit comme soit bon côté UNICEF ou bien l'autre organisation locale ou internationale, pour capable à porter support by moon qui est vraiment touché ou sinistré dans le grand sud du pays. Guerre machine UNICEF qui a gagné pour livrer 6 kits médicales pour 3 l'hôpital dans la ville Okaï et sans côté matériel parmi eux gants, antidouleurs, antibiotiques et seringues pour être capable de porter support avec Mounio et n'importe 30 000 victimes, tremblement de terre et pendant 3 mois, il a décidé d'accompagner Mounio dans le niveau Sao avec besoin, si là selon ça, responsable du dans UNICEF. Direction Gradas, plus précisément, Jérémy toujours sous dossier tremblement de terre 14 d'août. Les citoyens de la ville Jérémy continuent à plaindre pour aider qui pas arrivé sous vrai victime. Habitants ont dit qu'ils ont besoin de prélats qui plus nécessaire d'un moment pour empêcher de dormir dans la rue, surtout lorsque est à gain la police avec un peu de difficulté. Situation ça est que ce soit dans NIP, que ce soit dans Sud ou bien dans Gradas. Nous parlons pas maintenant côté intervention plusieurs citoyens dans la ville Jérémy qui continuent à plaindre pour aider qui pas arrivé sous vraie victime. Alex Gauthier était sous place en côté dans Mikoul. Et quand nous crasé. Et mise la passe dans la rue, même manger n'a pas manger. Oui, quand nous crasé, m'a dormi dans la rue avec trois timoun. Mais mon prêt là m'a pas joué pour me couvrir dans la rue avec timoun yo. Nous on côté moi té une nous n'ka passe avec tigren prêt là. Grand grand tié timoun yo même manger n'a pas joué dans la rue ba yo. Côté moi té à moi mais moun n'ka passe avec prêt là ka vendre. Mandé mes gars, s'il vous plaît pour prêt autour de trois prêt là pour nous faire un cadeau pour nous joindre pour dormir dans la rue. Avec Simon. Moi-même, j'ai des problèmes quand je vais dormir avec 6 Simon dans la rue. Je vais manger. Puis, gros problème, non, c'est problème manger. Je ne vais pas pour nous boire. Moi-même, grand goût, Simon, grand goût, non, encore. Si c'est celle où tu es grand goût, ou tu arrêtes, non, ou tu arrêtes, ou tu prends l'homme. Moi, avec 6 Simon, tu as plein, non, quoi, maman, le grand goût. Maman, je vais manger. Moi-même, je vais manger, même d'arriver pour Radio Mega. Je vais chercher de manger pour nous, pour aider nous. Vous pouvez bon prêt. Là pour mon côté pour me dormir. Le problème ça fait y'a gain qu'on est actuellement là. Tremblement de terre passé, le casse tout bagaille, tout le monde dans la rue. Et voilà, ça c'est Crédit Divers, habitant dans la ville Jérémy qui continue à plaindre pour aider qui dit qu'il va arriver joindre vraiment. Et côté habitant, ça dit besoin prêt là qui plus nécessaire dans un moment pour empêcher de dormir dans la rien. Et nous attendons divers habitants côté la question manger à tout, question de l'eau, pour capable de l'eau pour boire, qui est important en pile, que beaucoup capable de joindre rien, beaucoup joindre rien dans la zone Paroua. Et nous avons dit, et commune Pestel, tout, c'est une commune qui est touchée en pile par le passage, très loin des samedi 14 août passé. On a toujours été dans le même dossier. Ça, le président de la fédération Azekio dénonce ce qui est dénoncé là. Le gouvernement Ariel Henry a dit qu'il décide de mettre collectivité au sous-côté dans la gestion Edio. Julio Adam fait qu'on est à Azekio. C'est plus passé 3000 élites locales qui sont plus proches habitants dans le secteur communal. Le président de la fédération a révélé même ministre intérieur qui condamné pour travailler avec eux, pas même répondre correspondance à Azekio, à quelques Azekio. Julio Adam fait qu'on est jusqu'à présent. La population continue à souffrir à cause mauvais et stratégie équipe Ariel Henry qui préférait passer partie organisation qui peut-être n'a intérêt pas yo pendant yo fermé G sous Eli local yo. En côté Julio Adam, ça passe là, il mettait à nous, il mettait à genoux,
vous montrer que l'État est défaillant totalement. Parce que l'on n'a pas arrivé à servir les gens qui te voté. L'on n'a pas arrivé à service. Donc, principe de sagesse là, nous connaissons. Retirez-vous. Pas de personne qui te voté, personne ni ministre, ni PM, ni son bâton, ni relé. Pas de monde qui te invite au vin là, ou te vini. C'est parce que si tu es privilège, il faut que tu aies responsabilité. Correct. Je dis à pendant qu'on a insisté sur solidarité, mais il faut que tu aies responsabilité. Mm-hmm. Parce que des gens qui ont payé pour ça. Mm-hmm. Et des gens qui ont bien payé, bien touché. Ah oui, il y a bien passé. Donc, ça m'a vivre là, moi-même, comme président de la Fédération nationale à Sekyo, ou terrible. Par exemple, si vous regardez ce qui a passé là, dans Pestel, particulièrement du City, ou gagné dans 7 localités seulement, ou gagné 128 personnes qui mourent, ou gagné 563 personnes qui disparaissent. Ou bien 1080 personnes qui blessés et ou bien 3600 familles qui sinistrées, ou bien 13100 personnes qui hébergées, ou bien 2780 qui ont été écrasées, ou bien 811 qui ont été endommagées. Monsieur, nous section communale. Nous section communale. Donc, devant la situation, ça pas qu'à gagner négligence, pas qu'à gagner insouciance, pas qu'à gagner mépris. Et je dis à nous constater, nous tous constater que bon mépris au niveau des collectivités locales. Parce que la stratégie, c'est aller vers OCB, Organisation Communautaire de Base. Pour monsieur, dame, si nous voulons aller vers OCB, nous ne pouvons pas aller vers Kase, Kase, vers la mairie. Fermez-vous. Dis désormais, pas de mal comme ça dans le pays. Encore pas de Kase, pas de magistrat, pas de ASEC. Nous ne pouvons pas passer mon bêtise. Et en plus de ça, monsieur, si nous voulons passer outre mon saïo, d'ailleurs, c'est au mandat populaire, c'est au monde dévoté, c'est au redevance envers la population. Si nous voulons passer côté eux, sans nous pas utiliser, nous pas impliquer, nous commençons à me douter. Et doute moi il fondé. Parce que même ces monde qui croient dans la question scientifique, doute moi il prend fondement la partie de ça. Lors de une situation comme ça, comme autorité, comme responsable, ou pas qu'à bailler résultat, principe de sagesse, ça c'est bad boundon. Qui est sous principe que tu as dit? Je parle de la protection civile, je parle de tout en chaîne. Parce que, monsieur, en nous sérieux, moi-même téléphone d'un page me ferme, toujours disponible. Mm-hmm. Ou pas qu'à dire moi diriger mon yo, ou responsable mon yo, et pour injoyable. Ça veut dire. Ça y aurait les autorités. Ça y aurait les mondes responsables. Moi-même clair. Si moi, cap mène 3000, plus que 3000 mondes, je ne vais pas qu'à mener nos nègres. Bon, imaginons, on ne sait pas sec. Bon, moi-même, j'ai une force politique. Même quand je suis en frappe, même quand je suis là, je mobilise un département. Quand je suis là, n'importe qui a besoin d'informations, quel que soit le pays, quel que soit le côté. Et mettons un défi. Bon, information qui a passé dans le pays, pour me bagarre, qui s'est menti. Est-ce que nous parlons à qui depuis qu'il est balade avec? Moi, pourquoi parler à personne? Vous parlez où, mais vous parlez où, mais vous parlez où, vous n'avez pas décroché appel. Bon, jusqu'à présent, PM, incroyable. Il y a le ministre de l'Intérieur qui n'a même pas mis le numéro, il n'a pas même connu. Bon, ben, moi, non, il n'a pas. On va être où, parler là. On va être où. Non, mais c'est vrai. Ministre de l'Intérieur, c'est nous, moi, nous arrêter le bagage. Il y a eu le baconnet. Moi, non. Moi-même, pas qu'un contact direct avec ministre de l'Intérieur, voir où c'est passé. Depuis ministre de l'Intérieur, monté elle par exemple, contact avec fédération. Ah, même une non, fois. Jamais, et jamais. J'ai adressé deux correspondances au ministre. Pour me dire, ministre, nous sommes structure nationale qui gagne 3000, plus que 3000 monde. Chaque fois, pouvoir central a pris une décision pour nous assurer nous que communication décision arrive dans le dernier point des pays d'Haïti. Structure importante pour utiliser les FENASEC. La correspondance, nous allons accuser Allah. 6h15. Nous avons poursuivi ensemble avec information. Nous avons toujours été ensemble avec Julio Adam, qui est 358 AZEC qui est victime de grâce sud d'après le président de la Fédération AZEC qui a annoncé deux journées pour l'ouvrir 20 et 21 d'août pour collecter dons pour supporter AZEC victime. Julio Adam fait qu'on activité ça pour organiser dans la maison collectivité dans Delma 83 à côté tout le monde qui est capable ou bien institution pour tester au gain. Pour supporter et victimes sérieux. Nous après tourner dans Gradance ensemble avec ancien sénateur Sourali Assette qui a annoncé qu'il y a plusieurs camions aide alimentaire glo qui pourra joindre toute commune dans département Gradance là. Ancien parlementaire scruté seulement société civile là dans zone ça doit entendre pour aider la toucher vraies victimes. Sourali Assette exiger la police accompagner camion humanitaire qui pas suspend cibi attaque sur autre côté l'autre victime contacté qu'embé camion en côté ancien sénateur Sorel Hyacinthe dans micro Romanes samedi. La police fait son travail qui fait sur route là. Parce qu'à partir d'Aquin et l'autre côté, il a essayé de tomber machine et qui va aller.
machine qui a porté aide, qui a porté le dépôt que j'ai pris. Faut la police toujours accompagner le convoi. Ok. Troisième bagaille. Troisième bagaille, bien des convois qui vont joindre à ces foules fort de cours. On planifie avec elle, brûler, discuter avec elle de tout besoin. Je vais le voyer à travers l'association magistrat, il y a un camion qui a tout bagaille là-dedans pour chaque mairie, la 14 mairies dans le département. Mm-hmm. Et là,